Les membres du Présidium sont tous là pour la seule cause. La sortie officielle de l'Union Sacrée. Toutes les batteries sont mises en contribution pour la réussite de cet événement prévu le samedi 29 avril 2023 au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Et Christophe Mbosoko Diapoanga, membre du Présidium, annonce les couleurs. Mais cette mobilisation doit être de qualité. Vous n'avez pas de militants. Parce que c'est ça qui tue les manifestations. Ok, vous n'avez pas de militants. Vous pensez que vous leur ôtez, vous n'avez pas de militants. Vous avez un stade, vous n'avez pas de militants. Vous avez une déclaration, vous n'avez pas de militants. Prenez les membres de votre parti. Le Présidium de l'Union Sacrée mobilise les différentes parties prenantes à la sortie officielle de cette plateforme. Et quelques leaders assurent leur participation et contribuent au débat. Vous m'avez dit que même les camps siège, nous devons le voir après ça, là, pour les sièges. L'Union Sacrée, c'est qu'on a le siège, c'est qu'on a un particulier. L'Union Sacrée, c'est qu'on a un de résidence institutionnelle. Tomber ça, occasion de votre personne, la mission de votre commune, privatiser l'institution et l'État. Déjà, sur le plan sécuritaire, nga personnellement, dans ça, d'accord, les chefs aya n'activité. Mais, quand il y a pas, par exemple, le format au Ezali, on a oublié sa balie, bâti, au bisou de Goyo Solo, la Nayango. Et pour encourager, puis en plus, il y a pas trop, bah, il y a un milieu, bah, mon ami, n'a pas été. Qu'il y a des parties de masse. On ne doit pas se le cacher. Il faut vulgariser chaque douane. Mais il y a encore quelques petites incohérences dans la charte de la mission. Et il ne faudrait pas que Topé s'abandonne occasion à vous critiquer mission. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a insisté sur l'implication et la participation des femmes et jeunes filles à l'âge de voter à cette manifestation historique. Nous garantissons au président de la République un deuxième mandat avec une majorité écrasante en décembre 2023. Chef de l'État, président de la République, de votre volonté, de les voir au stade, mais nous vous avions répondu, mais on le lui dira. D'accord ? Oui. Soyons du bon côté de l'histoire, tous unis avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel est le thème de cette manifestation. Après ces échanges fructueux, le Présidium de l'Union Sacrée a visité le stade de martyrs de la Pentecôte pour les dispositions d'organisation. Soyons du bon côté de l'histoire. Sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation ce samedi 29 avril 2023 à 10h au stade des martyrs. Tous unis, tous mobilisés.